Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo courrier. Voilà, j'allais voir dans ma boîte aux lettres et j'avais donc un gros paquet et une enveloppe. Donc bon, j'ai juste ouvert pour faire moins de bruit sur la vidéo. On va regarder ça ensemble. Alors, on va regarder d'abord l'enveloppe. Alors, elle vient de Christelle. Je sais déjà ce que c'est, puisque j'ai organisé sur mon groupe de scrapbooking un échange, un swap de pocket letter. Voilà, donc vous verrez la mienne bientôt, puisque je la mets au courrier début de semaine. La vidéo est faite, tout, mais bon, je ne peux pas vous la montrer maintenant, puisqu'elle n'a pas encore reçu. Voilà, donc vous l'aurez la semaine prochaine. Alors déjà, il y a un joli petit nœud, de la belle dentelle. On va l'ouvrir. On va essayer de ne pas trop déchirer. Voilà. Hop. Oh. Déjà, ça sent le vintage, tout ce que j'aime. Alors, oups, oh, ça s'accroche. Voilà. Oh, il y en a une qui veut se sauver, reste là. Ah, ben voilà, je me disais, Fifi n'est pas encore venue. Alors, tu dormais? T'as pas entendu que maman faisait une vidéo? Il y a quoi dedans, dans le carton? Non, c'est pas pour toi. Elle est super belle. J'adore. Regardez. Voilà. J'adore la dentelle qu'elle a mis en bas. J'ai fait tomber des choses. Ah, ça vient. Ça s'est décollé certainement. Alors, on va remettre. Voilà. Et il y a un petit cadeau qui s'est sauvé, mais ça fait rien. Elle est... Non, merci Fifi, mais si tu te mets devant la caméra, on voit plus rien. Voilà. Elle est super, super belle. J'adore. Ah, regardez, avec le petit papillon, là. Tout mignon. Là, elle m'a fait un joli bijou. On va pouvoir... Je vais le mettre sur mon planeur, celui-là. Il est trop beau. Regardez. Il est... Génial. Alors, on va regarder derrière. Ah ouais, donc ça, c'était là. Des petits cadeaux. Fifi, non. Oh là 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 là, la curieuse. Mets-toi là-bas. Voilà. Alors, je vous montre. Ils sont super, super beaux. Alors, ici, des petits embellissements. Voilà. Des petits boutons. Des petites clés. Des petites roses en papier. Voilà. Des petits embellissements. Oh, un petit appareil photo là. Regardez. Trop mignon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Attends, je vais l'ouvrir pour essayer de vous les montrer mieux. Non, Fifi, attends. Reste là. Là. Ah si. Voilà. Alors. Voilà. Regardez, le petit appareil photo, tout mignon. Trop chou. Non, attends ma fille. Bon, Fifi, s'il te plaît, tu viens pas après. Là, c'est comme un petit livre, on dirait. Trop mignon aussi. La petite clé. Et après, des boutons. Voilà. Oh, le petit cabochon en papillon.
Celle sait que j'aime les papillons. On va remettre tout ça dans le petit sachet. Là, un petit arbre de vie. Tout mignon. Oh, trop chou ça. Regardez, un petit cintre. J'adore. Voilà. Oups, si je mets à côté, ça va pas le faire. Fifi, s'il te plaît, ne passe pas devant la caméra. Merci. Oui, bon. Hein. Après, j'ai dit. Allez. Ensuite, des cabochons stickers. Voilà. Tout mignon. J'adore. En plus, ceux-là, ils sont en... Ça fait comme diamant. La coupe de là, un joli embellissement qu'elle a fait elle-même, trop chou. On va les remettre dedans. Voilà, comme ça après je le remettrai en place après. Et la pocket letter ira dans mon classeur spécial pocket letter. Je commence déjà à en avoir quelques-unes. J'aime bien ça. Alors, ici, des washi. Tout mignon. Je n'ai jamais vu cela. Donc, la tour Eiffel, les notes de musique. Celui-là, il y a des ciseaux. Il y a. Donc c'est un vintage pour la couture, on va dire. Et l'autre comme des vieilles pubs. Trop chouette, j'aime bien. Ici. Alors. Allez, viens. Hop. Voilà, des tags. Donc ils sont autocollants puisqu'ils sont sur un plastique. Là, du thé. Je vais pouvoir en faire une bonne infusion ce soir en regardant la télé. Alors là, ça, j'adore. Là, c'est la fille des paperclips. Un paperclip et un embellissement. Oh, trop, trop beau. Pareil qu'elle a fait elle-même. Regardez. Tout ce que j'aime. J'adore. Ici, elle m'a mis des découpes. Et en plus, là, je crois que la pocket, elle l'a fait elle-même. Ouais, elle a été faite à la fuse. Chouette, super. Un petit oiseau. Encore un, d'une autre couleur. Là, des clés. Donc, il y en a plusieurs. Tu m'as fait peur, Fifi. Oh, voilà. Une serrure. C'est du tampon. Ah, c'est du tampon. Oui, c'est un tampon qu'elle a fait. Ouais. C'est des tampons, je crois. Voilà. Hop. Ouais. Et là, deux jolis ronds avec des petits cœurs autour. Trop chou. Et encore ici les découpes. Ah, viens avec moi. Et comme des petits paperclips, mais en papier. Voilà. Voilà. Une roue, encore une roue, une roue, et là des rouages, super, justement j'en ai pas ça, et moi qui aime le steampunk, ça va me servir. Et ben voilà, bah écoute, j'ai adoré, 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 elle est vraiment superbe, je vais mettre le petit oiseau là. Vraiment magnifique. Et le bijou que tu as fait, il est juste splendide. J'adore. Regardez. Je vous remonte encore.
Ben Christelle, bravo, bravo pour ta pocket letter. Maintenant, il y a un petit mot. Allez, elle veut pas sortir. Ah, voilà. Oh, pareil, c'est une carte qu'elle a fait elle-même. Elle est trop jolie. Vintage à souhait. Trop belle. Alors, je vais lire le petit mot. Alors, elle dit qu'elle est très contente d'avoir fait cet échange avec moi de pocket letter. Elle a beaucoup aimé le faire parce que c'est un thème qu'elle aime beaucoup aussi. Donc, j'espère que la mienne te plaira. Voilà. Bah, super, super, super. J'adore. Bah Christelle, encore merci pour le petit mot que tu as mis en bas. Tu as bien fait parce que bah, avec ma mémoire de poisson rouge, il ne faut pas hésiter à me redire parce que j'oublie souvent. Voilà. Bah écoute, encore un grand, 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 grand merci et j'espère que la mienne te plaira. Voilà. Alors, je te fais des gros, gros, gros bisous Christelle. Alors, maintenant, la boîte. Oh là là, ça c'est lourd. Alors ça, ça vient de Evelyne, que je dépanne de temps en temps en matériel d'action, parce qu'elle n'a pas d'action chez elle. Donc, de temps en temps, ben, je lui envoie des choses. Donc, voilà, ça c'est mon petit billet doux, avec un petit chat tout mignon. Alors, elle m'a remis des capsules de bière, des capsules Nespresso, voilà, parce que bah, j'en avais demandé pour faire mes embellissements, tout ça, et faire mes capsules altérées. Merci, merci. Super. Ah, oh, oh mon Dieu. Gorgus. Alors, Fifi, enlève la tête. Merci. Regardez. Non, enlève la tête. Elle est trop, trop belle. Là derrière. Oh, j'adore. Oh, même à l'intérieur, il y a les gorgus. Regardez. Trop chouette. Oh, il va être super. Il va me servir ce carnet. Ah, puis regardez sur les pages là. Donc quoi, le petit renard gorgus. Trop chouette, j'adore. Merci, merci. Ah, les Lidl. Ah, j'adore les Lidl aussi. Oh, ça j'adore les Lidl. Ah ouais. Ça c'est trop chouette les Lidl. Comment tu es tout mignon. Ça c'est trop trop beau. Oh ben merci, merci, merci. Le carnet va bien me servir aussi. Alors, ici, ça c'est quoi? Un tampon, enfin plusieurs tampons. Voilà. Ça, je sais qu'elle l'a eu à Noz. Génial. Merci. Là. Oh, il est beau celui-là, le tampon. Allez. Trop beau pour Noël, ça va être chouette. Merci. Alors, ça c'est quoi? Ah, je vois rien à travers. C'est une plaque d'embossage. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez bien voir le dessin. Bah voilà, on voit mieux là en bas le dessin. Regardez. Voilà, c'est ça. Superbe. Tout en musique. Génial. Là, encore une plaque d'embossage. Un classeur d'embossage, plutôt. Donc là, c'est un paysage. Voilà. Superbe.
Et là, encore, ça c'est quoi? C'est une vache. Superbe. Merci. Là, des pailles. Voilà. Et une plaque d'embossage flocon de neige. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Super. Génial. Et là, toutes mes capsules. Donc ça, les Nespresso. Voilà. J'aurai de quoi faire. Et mes capsules de bière. Voilà, j'aurai de quoi faire aussi. Et ben, Evelyne, un grand merci aussi pour ce colis. J'adore tout, ça c'est sûr. Moi, dès que je vais pouvoir partir à Cora, quand je récupérerai ma voiture, ben, je te ferai signe, hein, je te dirai quand est-ce que j'y vais. Comme ça, si tu as besoin de choses, ben, c'est comme d'habitude. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces petites choses. Voilà. Et alors, merci Christelle, merci Evelyne. Je vous fais des gros bisous à toutes les deux. Voilà. Et puis, ben, moi, là, j'attends toujours mes commandes AliExpress qui doivent arriver à pied. Là, elles sont très longues, là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Parce que ça fait ouais, un mois et demi, je crois, que je les ai commandées. Donc là, c'est quand même très long. Mais bon, on va attendre, hein, je ne peux rien faire d'autre. Puis voilà. Mais sinon, aujourd'hui, ben, heureusement que j'ai ces petits colis, parce que ça me remonte le moral. Parce que là, ben, depuis ce matin, il est un peu... dans les chaussettes, donc je veux dire, comme une copine m'a dit tout à l'heure, elle a le moral dans les godasses, donc je lui ai dit enlève les godasses, ça ira mieux. Donc moi, je vais enlever les chaussettes, ça ira peut-être mieux. Non, j'ai mon petit pépère qui, donc mon petit vieux poilu qui est, j'ai dû emmener d'urgence ce matin au vétérinaire, crise d'arthrose, mais très grosse crise. Et donc là, bah, il est sous morphine, donc il dort, et il a un traitement à prendre pendant 10-15 jours, et donc il a une arthrose très forte quand même, donc aux deux genoux, les deux hanches, et la moitié de la colonne vertébrale, donc jusqu'au milieu du dos, il a de l'arthrose, et ce matin, il ne savait plus marcher. Il pleurait énormément, donc j'ai dit bon ben là il n'y a pas, on n'est pas, mon mari et moi on a été au vétérinaire tout de suite, et heureusement le veto a pu nous prendre, et il a fait donc une piqûre de morphine pour le calmer tout de suite. Et donc voilà, regardez, je vais vous montrer mon petit père. Il fait des gros dodos là maintenant. Là, il dort. Là, il est bien calme. Ah ben, je vais vous montrer mon autre. Ça, c'est mon filou. Hein, Géry? Oh, il fait son timide, il veut pas montrer sa tête. Tu veux pas montrer? Non? Tu veux pas dire bonjour? Oh, monsieur fait sa star. Voilà. Et là-haut, qui est là? C'est mademoiselle Fifi. Alors vous voyez où son panier il est. Regardez, ça c'est mon living. Voilà. Donc elle a son arbre à chat ici pourtant. Mais elle va dormir dans son panier là-haut. Allez, attention le mal de mer. Et voilà. Me revoici. Donc voilà. Et là, je suis contente parce que pour Fifi, j'ai retrouvé des photos d'elle bébé. Donc, je sais pas, je vous ferai peut-être une vidéo avec les photos de Fifi. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse, bon, ce sera une mini vidéo, hein,
Mais ce sera avec les photos de Fifi quand elle était bébé, puis quelques photos de maintenant. Voilà. Bon, ben, ici nous dans le nord, il fait toujours pas beau. Là, je vois qu'il y a un gros nuage noir qui s'annonce. Donc, je crois que ça va encore tomber. Et j'ai attaqué la page 6 du grand album. Donc, elle est presque finie. Là, cette fois-ci, j'étais vite parce que je voulais rattraper le retard que j'avais pris avec la page 5 pour pas vous faire trop attendre. Donc là, je vais certainement la finir là cet après-midi et je fais tout mon possible pour que vous ayez la vidéo dimanche. Voilà, on est vendredi, donc j'essaye pour samedi, mais je préfère vous dire dimanche parce que je suis pas sûre et puis ça dépend comment mon ordi veut aller, s'il va ramer ou s'il va pas ramer. Parce que lui, c'est une fois sur deux, donc voilà. Bah écoutez, je suis super contente donc d'avoir reçu de jolis courriers, enfin de jolis paquets. Je vous prépare une vidéo également. J'ai eu le numéro 4 Fimo. Donc par contre après, ça va être un peu plus. Là, il va y avoir un peu plus de temps après la vidéo 4 Fimo. Parce que là, comme moi je me suis abonnée, bon. Je vais recevoir les quatre numéros que j'ai déjà. Alors, je pense que, je sais pas si ça vous intéresse. Donc, si je les reçois, bon, c'est entre guillemets, parce que bon, je ne sais pas si je vais recevoir à partir du numéro 5 ou si je vais recevoir à partir du 1. Si je reçois à partir du 1, donc j'aurai le 1, le 2, le 3, le 4. Si je les reçois, je pense que je ferai un petit concours. Un mini concours hein, sur la chaîne qui va aller très très vite hein. Il sera fait sur une semaine hein, même pas et je ferai gagner donc ces quatre numéros si je les reçois, je dis bien hein, c'est pas sûr à 100% mais si je les reçois je ferai gagner quelqu'un de ma chaîne pour recevoir donc les quatre numéros de la revue Fimo. Mais bon, on va attendre parce que là je sais qu'au niveau des abonnements ils n'ont encore rien envoyé à personne. Je pense que ça va commencer à partir cette semaine puisque le numéro 4 est sorti en kiosque. Car bon, pour les abonnés, il faut savoir qu'ils ne vous envoient pas un numéro à la fois. Ils vous font un envoi par mois avec 4 numéros d'un coup. Voilà. Donc là, c'est pour ça, pendant un petit laps de temps, il n'y aura pas de vidéo sur la revue Fimo, mais je vous ferai des vidéos avec des tutos Fimo quand même en dehors du catalogue, enfin en dehors des fascicules plutôt. Voilà. Ensuite, donc je vais vous faire la vidéo de la Pocket Letter, mais ça vous l'aurez la semaine prochaine. Enfin, elle est déjà faite, je veux dire, je vous la mettrai en ligne la semaine prochaine. Et puis bon, je pense que c'est tout. Puis là, j'ai du mal à parler parce que ben, aujourd'hui, je suis en crise, j'ai mes douleurs à ma langue. Donc tout va bien, mais ça bon, c'est normal, hein, le chien qui va pas bien, la voiture qui est en panne, tous les soucis du moment, bah boum, ça se répercute sur ma langue. Et voilà, bon, allez, je vais vous faire à tous de gros 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 bisous, je vous dis à très très bientôt, et j'espère que vous n'avez pas trop de pluie, que vous avez du soleil, profitez-en, et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très très fort. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Voilà, dernière minute. Je viens d'avoir un colis encore. Je viens d'aller le chercher à mon relais parce que j'ai eu le message. Et comme je n'ai pas encore préparé la vidéo, je vous le montre tout de suite. Hop là, Fifi. Voilà. J'ai racheté du matériel à une amie qui revendait du matériel à elle. Et donc, ben voilà, j'ai racheté deux perfos. Voilà, celle-ci. C'est une Réher. Voilà, je sais pas si vous allez voir le nom là avec le soleil, je pense pas. Donc, c'est des perfos de bordure. Voilà ce que ça fait derrière. Alors, j'ai pris celle-ci et celle-là, c'est une Mahé. Voilà, oups, si je mets le doigt devant, vous ne verrez pas. Donc voilà la bordure qu'elle fait.
Voilà. Et je lui ai pris un tampon. Alors c'est un tampon qui vient de la boutique du tampon bleu. Je connaissais pas. Donc voilà le tampon. Je vais vous montrer. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. Donc pour faire du fond, hein. Oh là là, là vous entendez mon petit vieux qui pleure, qui pleure, qui pleure. Bon, ben voilà, je vous ai montré en dernière minute ce que j'ai reçu. Je vais aller m'occuper de mon petit pépère, hein, qui pleure, le malheureux. Ça me fait mal au cœur de le voir comme ça en plus. Et je vous fais la vidéo, je vous montre la vidéo après. Voilà, allez, maintenant je vous dis vraiment au revoir. Bisous, à très bientôt.